Tintintintin. La fin du jeu, la fin du jeu. La fin du jeu, la fin du jeu, la fin du jeu. Compte le charme blanc et le noir comme étant des charmes. Ouais, sauf que... Donc ça veut dire que... Même si tu finis, on va dire, si tu veux essayer d'avoir le badge de l'autre con, il faut absolument... Merde. Absolument avoir ces deux badges là pour... C'est bizarre. Je me suis compris. Alors, c'est par où? Jacques, c'est par où? Jacques Sparrow. Je pense que quand il est tard comme ça, les blagues, faut esquiver. Faut se dire oui, d'accord, et c'est tout. Allez! En gros, tu vas voir vieille après la troisième fin du jeu. Oh, fuck. La troisième fin? Attends, là, on est sur la première. Ah, merde, lui, c'est vrai qu'il explose tout seul. Bon, ben, on se prépare à... un éventuel casse-gueule. Allez, c'est parti. La fin du jeu, mes amis, tout ça. Blablabla. C'est bien, il y a du monde pour la fin du jeu. C'est con, quand même. Allez, c'est parti. Temple de l'œuf noir. Ok, bonjour. C'est très noir, l'œuf noir. Oh là, c'est quoi ça? Ouais, des portes blanches. Je sais pas où on va, mais on y va. C'est quoi ça? Oh, un banc! Ben, je vais enlever de suite la boussole, parce que si c'est la fin du jeu, la boussole, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Non, les épines, c'est trop bien. Peut-être le champ des larves. Et on va essayer de mettre un nouveau truc à deux. Genre un truc d'attaque, là. Ouais. Permet un... Ah non, celui-là, je peux pas le mettre. Peut-être ça, ça peut être bien, je sais pas. Ah, ou ça. Ouais, ouais, ça, j'aime bien. On va mettre ça en attendant. Non, la larve mouche et les gis, non. La carapace de Baldur, non. Le nid de fluc, non. Le ventre rutilant, non plus. La canalisation rapide, ça aurait pu être bien. Et sinon, les forces fragiles... Attends, cœur fragile. Ce genre est... Ah, c'est des cœurs blancs, en fait. Ça, c'est pour... Ah, ça aurait été bien force fragile, mais il me manquait un enlevé et rock solide, c'est vraiment trop bien quoi. Bon, on va voir. Examinez. Vaisseau. Bien que limité, vous connaîtrez l'état du monde. L'œuvre que vous avez commencée, nous terminerons. Alonès sera complété à nouveau. Pourcentage d'achèvement du jeu visible dans l'inventaire. Ah! Attends! Où ça? Alors, il me manque... Oh merde, il me manque 7 monstres à trouver. C'est con ça. Tu m'as dit... 7 monstres? Oh, je pense que le boss de fin et tout, ça doit compter. S'il y a plusieurs formes ou quoi, j'en sais rien. Et après, l'effectuer, c'est ceux que j'ai, on va dire, masterisé ou quoi. Genre ça, là, famille, il faut que j'en tue encore 17. Hornet. Bon, bref. Et sinon, il y a autre chose. Genre là, j'ai... Ah ouais, 91%, donc il me manque des trucs. Et il me manque deux quarts de cœur. Et il me manque sûrement un pouvoir, en fait. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Allons voir la fin du jeu numéro 1. Ok. Je suis prêt à péter la gueule. Donc c'est toi le grand méchant loup là?
Ouais, je pense qu'il faut taper les... Ouais, faut péter les chaînes. Donc on va libérer le mal, on est bien là, hein, ouais, on adore. Allez, libère-toi le mal, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Le mal ou le bien, j'en sais rien en fait. Donc, tu t'appelles comment, toi? Ben, le Hollow Knight, ok, bah, c'est lui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait de... Enculé, il a l'air mou! Mec, t'es nul. Dis le mec qui va se faire péter la gueule bientôt. Genre, il va s'énerver et... Ouais, ok. On peut soigner sur toi? Oui, on peut! Merde, on peut soigner comme point de vie. Oh, la parade ratée. Ouf. Ah, d'accord. Donc c'était toi qui a créé tous les trucs corrompus, vu que tu fais du orange comme tout le monde. Ok, deuxième cri. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne te suicide pas! Qu'est-ce que... Mais pourquoi ils se suicident? Pourquoi la musique elle est triste comme ça? Mais pourquoi ils se font l'air? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de suite la musique elle est... Elle part en... Oh merde! Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Il est contrôlé... Ah putain. Attends, je viens de peut-être de comprendre un truc. Il est peut-être contrôlé par une force qui est maléfique et il essaie d'y mettre fin. Genre ça là. Ce vomi orange. S'il faut, il a pas choisi. Oh merde, je vais mourir. S'il faut, c'est ça. Le mec est en train de se suicider parce que il est rongé de l'intérieur. C'est bon, je l'ai tué? Maintenir B. Et j'absorbe son mal? Qu'est-ce qui se passe? Succès déverrouillé Hollow Knight. Donc je l'ai remplacé. Ça ne nous dit toujours pas si on était les gentils ou les méchants dans l'histoire, j'en prends pas. Un jeu signé Team Cherry. Et pourquoi dans ce cas-là on a absorbé le mal qui le rongeait? Pourquoi dans ce cas-là on l'a libéré? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Qu'est-ce qu'on devient? Pourquoi on est là? J'en sais rien, ça me saoule. Sympa la fin. Ah tiens, tu es revenu, tu t'es réveillé. C'est on a fait trop de bruit, ça t'a réveillé. Ça laisse à réfléchir. Attention, cher follower, la fin n'est pas la fin. Ouais. Bon, bah, on va partir sur la deuxième fin. Enfin, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah si, je sais. Je vais faire pipi. Bah très bien, je suis là depuis le début. Oui, peut-être. J'étais là depuis le début. Bon, bah je peux pas passer les crédits. Donc on va peut-être s'embêter un petit peu là. Mais pourquoi tant de haine dans ce jeu vidéo? On sait même pas si on est gentil ou si on est méchant, je comprends pas. Pff, ça me saoule. Ça m'embête en fait. Quand ils te laissent
Genre, tellement de possibilités. Soit t'as la version, on n'a pas forcément réfléchi au scénario, donc c'est comme c'est et basta. J'en sais rien. J'en sais rien. On verra. Bon, il est pas mal Hollow Knight quand même, il est amusant. C'est bien si ça nous ramène au menu principal, on verra combien d'heures de jeu on a mis dessus. Remerciements supplémentaires, 2158 contributeurs et Kickstarter. Bravo le veau! Bravo. Félicitations. Ah, toutes nos félicitations pour avoir accompli cet exploit. Vous avez préservé et vous avez... Persévérez, pardon, et vous avez triomphé. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à jouer à Hollow Knight que nous avons eu à le créer. Nos chemins se croiseront à nouveau très bientôt, Team Cherry. Ok. C'est cool. On a été remercié par l'équipe de développement. Jeu terminé. Pourcentage 91%. Temps de jeu 25h29. Ah, ça fait mal. Mode âme d'acier déverrouillée. Pas d'ombre, pas de résurrection, mort définitive, le défi ultime. Alors non. Mais ça doit être invivable. J'essaierai de faire une partie comme ça, mais ça doit être invivable. Ouais, commencez le jeu. L'œuf noir. Bon, on repart. En gros, va falloir que je me fasse un nouveau post-it. Avec. Trouver les deux derniers quarts de cœur. Ah, attends, le fait qu'on ait fini le jeu une fois, ça nous a pas débloqué des choses. Ça pourrait être bien, ça, quand même. On va aller voir au magasin. Ça pourrait être bien, en vrai. Ah oui, j'ai pas remis ma boussole. Bon, c'est pas trop grave. C'est à peu près où on est. Ah mais attends, au lieu de faire tout le tour, j'aurais pu venir d'ici. Ah, le boulet de merde, quoi. Le boulet qui est nul à chier. Blip. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux achats? On sait jamais. Genre, bravo, c'est le New Game Plus. Non. Est-ce qu'on a de nouveaux marqueurs de cartes? Bonsoir. Non. Donc si on n'a rien à acheter de nouveau, nous allons partir là où je pense qu'il y a quelque chose à débloquer. On va à la station cachée. Je suis sûr que maintenant je vais pouvoir ouvrir des choses en plus. Il me faut trouver les derniers badges. Il me faut trouver les deux dernières cartes de cœur. Il me faut trouver le pouvoir ou les pouvoirs qui me manquent. Parce que je sais qu'il y a un pouvoir qui est manquant vu que bah, sur la carte. Donc lui là, on va enfin pouvoir. Paf! Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Où on est? Sortir. On est dans un nouveau truc. Objectif, le charme noir dans les abysses pour accéder ensuite à la deuxième fin. Ok. Bon, on va aller là, voir ce que c'est. Bonsoir! J'en étais sûr. Enculé. Il a deux... Il fait deux points de dégâts. Il dit rien. Ok, je l'ai tué. Ah, c'est juste un monstre. Entrée. Non, je voulais voir ce qu'il y avait avant. Non, pas lui. D'accord, bon, ben pas lui. Là, il y a quoi là? Il n'y a absolument rien. Donc on retourne là où on est rentré. Fuis! Pourquoi fuis? Tu vas vers la troisième fin. Oh!
On peut même plus faire ce qu'on veut dans ce jeu, c'est abusé, quoi. Donc on retourne aux abysses. Mais qu'est-ce qu'on a à faire dans les abysses? Oh, diantre! Corinne! On est où, là? Ah, oui! Ah, c'est vrai qu'il manque des trucs dans le bestiaire, aussi. Mais je pense que le bestiaire, il est... Il faut le faire, parce que le mec, il doit nous donner un... Ben, c'est lui, aussi, qui doit nous donner un badge. Putain, va falloir que je trouve tous les monstres du jeu. Oh, j'ai tellement la flemme. Il m'en manque 7, tu vas me dire. Et là, je viens d'en avoir un nouveau, en plus. Bon, on va voir. Donc là, je suis... Là. On va vite remettre la boussole en fait, parce que ça va m'énerver. Voilà, où c'est qu'il faut aller dans les abysses? Les abysses! Parce que le truc bleu, on l'a fait. Bah, on va tomber, on va bien voir. Hein. Combien de temps? Combien. Pourquoi? Aïe. Alors, oh, putain, je suis remonté. Found in the Birthplace. Non, je déconne. It's entrance is located at the bottom of the abyss. At the end of the area is an egg which, upon being hit with the. Ah! Ok. Alors, nous cherchons un œuf. Où est l'œuf? Oh! Il est où l'œuf? Oh! Non! Si je dois remonter tout. C'est bon. Reveal a scene from the past involving Vessel and the Pale King. Okay. Et où sont les Tribal King? Hein, sans déconner, ils sont où les Tribal King? Voilà, on doit chercher un œuf. S'il faut, je suis pas dans la bonne. Je suis pas dans le bon truc, s'il faut, mais c'est pas grave, on cherche. Ah, c'est là! Nos voix hurleront à nouveau. Enfin, je crois. Non, c'est pas là. Bon, c'est peut-être pas là. At the end of the area. Est-ce que il faudrait pas traverser le sol? Aussi, oh, c'est une idée. Fallait peut-être péter le truc où je qui m'a dit oui, nos voix, gna gna gna, mon cul en ski, tout ça là. Faut tuer des trucs comme ça, il m'en faut encore 15, l'aile. On va retourner vers le phare. Hein. Ça là, comment on les tue? Paf! 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 On peut pas. Comment on peut faire pour les tuer? Parce que je pense que ça, il me le faut dans le bestiaire. Comment je peux faire de la lumière? C'est pas là. Non, c'est pas ça. Là, il y a eu la lumière. Alors, un œuf. C'est lui? Non, ça m'étonnerait. Vie de puissance sans unité. Pas tomber. Mais j'arrive pas à monter, mais je suis nul ou quoi? Oui, tu es nul. Attention, tu as un passage secret en haut à gauche de cette salle normalement. En haut à gauche. Ici? Oh, oh putain, mais comment on l'a raté? Ah ah, c'est là où je voulais aller en plus.
Pour un journal de la créature noire intuable, intuable j'imagine, parce que bon. Examiner. C'est peut-être ça. Oui, c'est là où je voulais aller. C'est ça? Une empreinte matérialisée des abysses. Ouais, c'est ça. Et comment je peux avoir la le double... Ouais, on se voit. Parce que là, on n'a pas maîtrisé la bête, en fait. Bon. Et l'œuf, il est où, en fait? Fallait peut-être... Ah, mais j'ai plus de mana. Bon, il va falloir farmer sur les... Sur les créatures. Il va falloir farmer sur les créatures pour avoir du mana et faire des... Eh merde. Pour faire des... Je vais y arriver à parler un jour. Hein. Pour faire un dash vers le bas pour essayer de voir si c'est cet œuf carré là. Si c'était ça ou... Ou si je fais complètement fausse route. On va voir. Parce que sinon, il faut qu'on... Qu'on aille là en dessous, mais je sais pas comment on fait. Ça donne pas de mana. C'est des créatures sans mana. Faut remonter pour taper les espèces de merde. Ça là. Ah putain. Ah ça c'est con quand même. Qu'ils fassent des monstres mais que tu puisses pas forcément les avoir de mana dessus si t'as besoin de mana quoi. Je remonte pas tout en haut hein, juste là parce que je sais qu'il y en a un. Voilà. Allez on redescend. Et merde, j'ai fait un double saut. Ok. On y retourne, on va voir comment on peut le casser ce truc. Ah, il y en a là aussi, il y en a là. Là. Nos voix hurleront à nouveau. Oui. Putain, il y a rien. Eh bien, je suis perdu. Qu'est-ce que... Il a bugué? Oui, il a bugué, c'est pas vrai. Bon, ben, je sais pas où c'est. C'est chiant. Peut-être là, dans... Là, il y a des œufs là. Tu peux retourner à l'œuf à droite. C'est pas un vrai œuf en vrai. C'est juste un mec. Je vais me dire, j'ai que ça à faire, mais bon, c'est chiant quoi. Ben, je l'ai fait le taper au clou éveillé. On va voir là en haut, mais ça m'étonnerait. Eh merde! Oh, j'en ai marre d'être nul, mais qu'est-ce que j'en ai marre? Éteins là, non, impossible, je suis désolé. Thank you.
Bon, on va réessayer de taper au clou, mais... Et là-bas, y a rien. Non, y a rien. Yes! J'adore tomber dans le vide. Bon, on retourne là. J'ai pas attendu. Alors, bonsoir. Vide, puissance sans unité. Ouais, ça m'aide. Y'a qui dans la salle d'accueil des abysses? Tout en bas, y'a un passage. Oh, ta race! C'était donc ça, les œufs. Depuis tout à l'heure, on tourne en rond pour rien. Je vais même te montrer à quoi ils ressemblent, les œufs. Je me suis arrêté devant avant que tu me dises d'aller à droite. Ah, c'est pas grave. C'est une blague. Alors, dans le sol, les œufs, j'en vois un là. Non. Merde. J'en vois un là. Et j'ai plus de mana. J'en vois un là et peut-être là. Voilà. Ah, va falloir tous les essayer. Essayez-les tous, essayez-les tous. Essayez-les tous, essayez-les tous. Titali tati, bali, pas de soin. Tu l'as passé, je pense. Non, c'était juste pour récupérer du mana. Celui-là, on l'a testé. Je sais plus, attends. On a fait celui-là. On a fait celui-là. Celui-là, on l'a pas fait. Si, je crois. Je sais plus. Non, on l'a fait. Et j'ai plus de mana. Putain, c'est pas possible. On revient aux petites larves. Heureusement qu'elles sont là, parce que... Heureusement qu'ils ont pensé au truc, parce que sinon... Sans déconner, quoi. Allez, on teste encore. Va tester celui-là. Et toujours pas. Façon, il nous faut du mana. Putain, faut pas que je le tue aux épines parce que j'ai plus le badge du larve, merde. Sinon ça récupère pas de... Y'en a pas là, si, y'en a là. Parce que si je les tue, ça malheureusement ça me donne pas de mana. On va dire avec les piques. Avec mes épines, si vous préférez. Alors... Ici... Non! On va tout faire, hein, de toute façon. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Bon, ben je sais pas où c'est. Mais what the fuck, j'y étais! Et comment t'es censé le deviner ça? Généralement, le sol il bouge. Ça veut dire qu'on a loupé un pouvoir, c'est pas possible. Genre là. Ben non.
Oh là, putain. Le sol doit s'ouvrir seul, apparemment. Ben, il ne le fait pas. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'ouvre pas. Parce qu'il doit me manquer des pouvoirs. Il doit y avoir un truc à faire, c'est pas possible. T'as pas compris comment? Ben. Toi, tu comprends pas que moi je sais pas du tout. Moi je pense qu'il nous faut tous les pouvoirs de l'âme. Genre les trucs qui nous manquent. Genre il y a un truc d'épée qui nous manque. Et il y a deux temples qu'on a dû louper. Le mec a le badge blanc par contre. Est-ce que tu es sûr que la deuxième fin, c'est le badge noir qu'il faut et pas le badge blanc? Oui, c'est pour ça que je comprends pas. Ben, s'il faut, c'est une erreur de traduction ou... J'en sais rien, moi. En fait, c'est peut-être le blanc qui permet d'avoir le noir ou le noir qui permet d'avoir le blanc, enfin. J'en sais rien. Dans tous les cas, là, ça s'ouvre pas. Donc il faut trouver un truc. Je sais pas. Bon, on fait quoi dans ce cas-là? Moi, j'ai aucune idée de... Soit on s'en va chercher les deux pouvoirs qui me manquent. Enfin, ou amélioration de pouvoir plutôt. Et ce qui fait donc que tout tourne en rond, comme dirait l'autre. Parce qu'en vrai, on a deux, trois trucs qui doivent être améliorés. Hein. C'est pas possible. Genre des sorts, je pense que nos sorts doivent être améliorés. Ah, peut-être ça, là. Non, ça non plus. Bon, bah, tu peux aller dans le palais blanc, c'est une vanne. Ce jeu est what the fuck. Tu y récupéreras la moitié du badge blanc manquant qui, lui, t'ouvrira la zone des abysses. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Donc mon intuition, elle était bonne, voilà, na. Ah, il n'y a plus le bonhomme. Allez, c'est parti, on rentre dans le palais blanc. Bonjour. Le palais blanc. Ok, donc ça, on peut tomber. Bon. C'est quoi ça? Ah, d'accord, ok. Ok. Oh, un banc! Il y a une carte? Non, évidemment, non. On peut tomber là? C'est autorisé? Comment je fais pour monter? Ah. Ok. Comment on fait pour aller là? On verra ça plus tard. Cette zone est un défi de plateforme. Oh non. Ah, je suis pas très fan de... Ah, il y a un truc là. Ok. Ah, ça me fait du mana, je suis content. Surtout que j'en avais vraiment besoin.
Bonjour! Là, c'est un boss, par contre. Ça enlève 2 points de vie, c'est merde. Je suis con, moi. Pourquoi je tue? Ok. Bon. Attends, putain, mais... Mais ça, c'est des pics. Je vais là où, où le cœur m'en dit, hein, parce que... Ah! J'ai allumé une lumière. Aziz, lumière. Ah! Ça fait quoi? Où je vais? Où je vais? Je tombe. Oh! Je remonte. Attends, mais là, c'est par là où je viens d'arriver, non? Attends. Oui, c'est par là d'où je viens. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ok, là c'est le vide intersidéral. J'ai peut-être loupé un truc sur le côté, je sais pas. Il me manque les 2/4 du cœur aussi. Genre là, j'ai peut-être loupé un truc. Non, apparemment c'est le gris-gris, donc... Là je peux pas monter. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave. Hop, paf. Ah, là peut-être. Ah ah! Mais merde, non. Donc faut descendre là? Peut-être, je ne sais pas. Sauf que là, on revient vers quoi? Ah, s'allumer! D'accord! Wouh! Fancy. D'accord, je vois ton défi plateforme. Je pense qu'on va s'amuser. Non. Bon. Je sais pas où on va. Il y a des gens qui parlent. Bonjour. Bonjour. Votre lumière magnifique et véritable. Comme le cuir véritable. Paf. Nous attendrons. Nous attendrons, au roi. D'accord. Bonjour. Eh. Mon roi, tout cela pour nous. Merde, on peut les tuer. Bon, mais tant pis, ça règle le problème. Adieu. Mais ça comptait dans le bestiaire, je l'ai vu. Le bestiaire, le bestiaire. Le mec, il veut absolument faire son bestiaire et il s'en fout du reste. La musique est sympa, oui, elle est plutôt calme, posée. Ah, l'interrupteur est là. Comment on fait pour ouvrir l'interrupteur? Faut peut-être passer par en haut, mais pour ça, il faut passer par là. Mais oui, Jean-Claude Van Damme. La 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 la. D'accord, ok. Donc c'est ça, le défi plateforme, youpi. On peut aller en dessous ou pas? C'est une question. Bon, on y va. Yeah! Ah, on peut pas. J'aime bien. Hein. Vous pourrez passer à travers les ennemis. Grosse amélioration. Tout ça, nique-toi. Alors, on peut y aller, mais ça sert à rien. Allez, c'est pas grave. Maintenant, on prouve qu'on a du skill, du vrai. Que la plateforme, on a connu ça pendant un très grand moment de notre vie. Oh, mon culé. Allez là! Non! Je l'ai pas vu. Dommage. Il faut y aller en fait dès qu'elle se baisse. Ah putain!
Un appui de plateforme. Oh là là. Oh là là, mais... D'accord, elles sont toutes petites, elles. Ok, cool. Mais je sais pas où faut aller, à droite, à gauche... Genre là, il y a des trucs, est-ce que de l'autre côté, il y a des trucs... Des trucs... Il y a absolument que dalle, il y a... Pff, putain... J'allais dire une énorme connerie, il y a juste... Voilà, y'a rien, super. Cette fois, y'a des trucs cachés et tout. Oh, ça va m'énerver. Est-ce qu'il est long, le palais? Oh, enculé, y'en a partout, quoi. Hmm. Merde. Merde. Tout simplement. Il y a juste un tout petit trou. Ok. Ok. Merde! Ça compte comme si j'ai touché la... Non. Putain. Ensuite, où c'est qu'on va? Ok, on remonte là. Ensuite. On va là. Oh, il y a des petites... Il y a des petites sympas, là. Merde! Faut dasher avant et après corriger la trajectoire. Ok. Oh, non! Oh, putain. Eh, le débile! Eh, le débile con! Ok, et maintenant? Ok, ensuite. Oh putain, il y en a deux. Merde! Oh non! Ah putain, c'est chiant. Faut juste faire un double saut, je pense. Quoi, quand, maintenant. Voilà. C'est une plateforme? Ok. Elle a l'air d'être longue. J'ai peur qu'il y en ait une autre au-dessus, en fait. Non, ça va. Ensuite, on va où, là? Dis-moi où on va. Oh, oh c'est bon. Eh bien, c'est compliqué, Kong. Et maintenant? Oh, il y a des gens. Qui dit les gens, dit le mana. Qui dit le mana, dit la vie. Je les ai abattus. Ah, mais en plus, quand je perds des points de vie, s'il faut, je peux tout de suite les regagner grâce à mon miel. Alors. Enculé. Ah, merde, je suis pas allé assez vite. Ok, ensuite. Il faut y aller dès que c'est là. Ok. Merci de vous sacrifier pour moi, les amis. C'est plutôt sympa. Hein. Clic. Ah, et là, c'est ouvert. Yes. Et on revient. Ok. Zone sympathique. Oh, merci. Oh. Merci à vous, mes amis. Là. Oh bon. Excusez-moi de vous euthanasier, tout ça, il me faut du mana, il me faut des trucs. Ah, il y a un gros machin. Il y a un gros machin. Il y a un gros levier. Je sais pas, en fait.
Ah, il en faut deux, d'accord, donc il doit y en avoir une de ce côté. Sortir? Pourquoi sortir? Oh! Bonsoir, le mec qui arrive à la fin, quoi. Oh là là! Attends, parce que est-ce qu'on en vient de là ou pas? Non, je crois pas, hein. Non, ça on l'a pas fait. Allez, c'est parti. Oh, merci. Oh, donnez-moi du mana. Comment on descend là? Alors, on peut déjà analyser par là. Ok. Ensuite. Là. Là. Oh non! Alors ça c'est relou. Oh putain, ils me font redémarrer de là. Tu vas me dire j'ai... Ouf. Merde, je suis tombé. Ah, fais chier. Là. Ah, je peux pas juste aller là. Non, je pense que le gros caillou là, ouais. Alors. Voilà, on casse le jeu, le speedrun, tout ça. Et maintenant... Ouh, putain, j'en chie. Ah, là, là. Ouh, elle va un peu vite celle-là, dis donc. Easy. Je lis dans les lignes du machin. Allez. Qui a dit que j'étais nul? Qui a dit que j'étais nul? Voilà! Ouh, allez, on est reparti. Je suis tombé. Tant pis. Hop. Et maintenant, on va où? Genre là? Je pense qu'on pouvait juste faire un double saut au-dessus. Ok. Oh là là. Oh là là. Ok. Non! Je voulais pas faire ça. Est-ce que ça compte? Ok, cool. Merde. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, attends. Parce qu'il faut que j'atterrisse où, là? Grosse question! Si je saute là... Ok, c'est ça. Merde! C'est ça, mais... Oh là là! 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, attends. Putain! 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. On va attendre que mon point de vie se régène. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Alors, il faut que j'atterrisse vraiment sous la fenêtre là-bas. Ok, c'est bon. 1, 2, 1, attends. C'est une vanne. Et après je fais quoi? Oh, oh je sais. Ah là je suis en plein dedans là. Non, saute. Tant pis. Mais je crois que c'est ça. Merde. Ah c'est compliqué là. Ah putain, pas assez. J'attends que mon point de vie se régénère. Je suis une ordure. Hein. Ok, cool.
On en est où là? Et on redescend alors que revoilà la sous-préfète. Quoi? Oh putain, d'accord, ok. Dans les pics. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, amen. La soupe germaine. Oui, mourez. Oh. 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 Ils sont cons, ces trucs. Alors, on en est où, là? Ah, oui, j'ouvre là. Le premier qui dit que je suis mauvais au jeu de plateforme, ben voilà, la réponse elle est là, c'est que je suis pas si mauvais que ça. Ah, il y en a encore. Non, ça va. Non, je pense que c'est la fin, n'est-ce pas? C'est la fin du monde. Pourquoi il te vénère? Alors, va leur demander. Ah, d'accord, donc faut activer ça avant de... Mais putain, mais... D'accord. Et comment je suis censé faire? Je comprends pas ces monstres. Bon. Merde. Je comprends pas ces monstres. Comment on est censé les buter? Ou faire quelque chose? Parce que c'est le roi. C'est vrai que maintenant, le roi, c'est moi. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume. Je sais pas comment faire. Ok, si. Je crois que c'est ça. Ah putain, mais refile du mana. Ok. Est-ce que je peux faire... Ok. Non. Non. Je suis tombé au travers. Quel bouffon. Tu vas me dire, elle me refile du mana. Donc techniquement, j'ai bien fini, genre. Ouais, c'est ça. On va récupérer un peu de mana. Désolé, c'est le moment chiant où on s'ennuie. Allez, on essaye de remonter. Putain. C'est abusé. C'est abusé, mais pourquoi? Pourquoi je suis aussi bête? Pourquoi j'arrive pas à juste faire ça, là, et à monter, hein? Pourquoi j'y arrive pas? Putain, mais c'est roux de merde. Qu'est-ce que je disais déjà sur mon skill? Ah oui. Je suis trop fort. Ta race, oui. Putain, c'est pas possible, quoi. Quand ton bouton, tu lui dis d'aller en bas et qu'il veut pas. Ouais, faut bien insulter le matériel un petit peu. Oh, enculé. Mais parfois, je comprends pas. Elle bouge, ses mouches ou... Je comprends pas. Parce que parfois je peux passer au-dessus tranquille, et parfois non. Et c'est de la merde sans déconner, mais je suis censé faire comment? Je comprends pas. Elle bouge cette conne, regarde là quoi. Et là elle se remet là. Mais putain, mais je comprends pas ce qu'il faut faire du cul! Voilà, parce que de toute façon, je me fais baiser. Ok. Oh! Oh! Oh putain, c'est la première fois que j'ai tellement envie de voir un banc, quoi. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'Aquad. Putain, je suis allé plus vite que la truc, quoi. Ok, et maintenant, je vais où, là? Je vais où, là? Putain, ta race. Ok, j'ai trouvé. Je pense. Ah oui, dans le bloc. Juste dans le bloc, c'est parfait. J'adore autant de galéjade. Ah putain.
Oh super. Ah oui, c'est vraiment la fête, hein, sans déconner. Alors. Merde. Ouais, je peux sauter de suite, en fait. Voilà. J'ai cherché midi à 14h, alors que j'en avais pas besoin. Bon, et là. Et là, et là. Enculé. Oh, là, c'est pas drôle, là. Oh non. Ok, c'est bon. Et là, il y a quoi là? Il y a des pics. Ok. 1, 2. 1, 2. Ok. Oh là là, mais elle devra aller plus vite sans déconner quoi. Enculé! Non! Oh là là. Ce ratage. Mais putain, mais... Oh là là. Et maintenant, je vais où là? Ah, là-bas, il y a un truc. C'est bizarre. Oh là là. Et maintenant, je monte. Ah, des pics! Merde. Mal calculé. Merde, putain. Ça fait deux fois que je me fais avoir par le temps. Ok. Et maintenant? Ok, là-bas. Mais moi, je m'amuse avec le temps, en fait. C'est... Tic-tac. Tic-tac. Merde. Tic-tac. 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 Merde. On recommence. Tic-tac. Tic-tac. Désolé, je prononce à voix haute. Comme ça, moi, ça m'aide un peu plus. Enculé. Oh là là. Oh là là, celui-là il est pas amusant. Oh, ce saut il est pas drôle. Putain. Alors, tic tac. Tic tac. Tic. Merde. C'est ça qu'il faut faire pourtant. Tic. Ouais. Faut vraiment, dès que ça fait tic, tu sautes quoi. Tic tac. Tic tac. On va récupérer mon point de vie parce que j'ai peur qu'il y ait rien en haut en fait. Merci. Tic tac. Tic tac. Tic. Putain! Faut peut-être même anticiper. Tic tac. Tic tac. Non, trop tard. Ah putain. Ok. Et maintenant, là-bas. Ok. Ensuite. Ouf! Un banc? Un banc, s'il vous plaît? Ou du mana? Ou des gens? Des gens à buter, s'il vous plaît? Y'a pas de gens à buter. Oh putain de merde. Oh, trop loin, non! Excusez-moi, je vais attendre mes points de vie à chaque fois, j'ai pas envie d'y passer 8 ans. Après, il se régène plutôt vite, j'ai envie de dire, mais bon. Allez. Ok, je peux... Oh, enculé. C'est une crise cardiaque. Non, 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 non. Je sais pas comment on l'annule, ça. Ah, là, on est plutôt bien, oui. Enculé. Ensuite, on va où? Enculé, mais comment je fais là?
je sais comment on fait. Ok. 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 Culbu, ok. Oh là 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 là! Oh mon dieu! Non, c'est. Ça, c'était pas maîtrisé du tout. Non! Bon, on récupère le point de vie. C'était pas du tout maîtrisé, ça, monsieur Vernier. Alors. Pif, pouf. Ah, ok. Voilà. Alors. Pas drôle du tout. Non. Je sais pas là. Ouais, faut que je trouve vraiment la distance, quoi. Merde! Merde! Ah, j'ai plus de vie. Oh, non, 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 mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'y vais comme un con alors que j'ai un point de vie? Ah non, non, bah non, non, on va éviter. Hein. Il est long celui d'en dessous là. Pas fonctionné. Excusez-moi. Oh, il y a des gens en bas. On garde notre calme, on va y arriver. Hein. S'il y a un boss... Ah, oh, je pleure. Attends, mais... Excusez-moi. J'ai besoin de vie. Je m'excuse, hein, c'est pas drôle. Parce que je comprends pas le truc qu'il faut que je fasse en fait. Faut que je passe par en dessous? Attends, on va regarder. Je suis un con, je suis un con. On s'amuse, hein, hein, c'est drôle. Pff, allez. Maintenant, on étudie. Comment je suis censé faire pour aller là-bas? À part comme ça. Hop. Pff, ensuite. Là, ça va. Ensuite, il va falloir monter. Oh, putain. Ok, d'accord. Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Faut que je l'anticipe tellement à mort. Ouais. Et là, je fais quoi? Je fais quoi? Je passe dans le trou ou... Ou il y a un truc là-haut? Je pense pas. Hein. Je peux pas aller plus haut. Oh! C'est pas drôle! Oh, c'est pas drôle! J'ai quand même les mêmes moites pour toi. Je déteste ce genre d'épreuve. Oh, tu sais... Enfin...
J'ai tellement été habitué à la plateforme dans ma vie que... Que ça va, quoi. Enfin, je le prends plutôt bien. Non, je suis encore dedans, là. Voilà. Oh, enculé, cette chatte. Mais je suis con. Je suis complètement con. Non. Non. Ah mais là, en fait t'as un espèce de marqueur pour te dire regarde c'est là. Je sais pas là en fait. Ouais. Ah mais là c'est pas drôle, je sais pas du tout comment faire. Wow. Non. T'as trop. Ok, c'est bon. Dans les pics, je l'ai tellement mauvaise. Bonjour. Ok. Donc, je pense que le dégât était vraiment... Ou alors, fallait freiner avant. Mais c'est pas grave. Le BN niveau à la super... Le BN? C'est moi qui comprends pas ou... Le BN niveau? C'est pas grave. Ah, le bon niveau. Il y a deux trucs. Ah non, c'est là-bas. Oh putain. Pardon, excuse-moi, le bon niveau. On va traverser comme ça. Ouais. Ça fait flipper. Oh! Salut, nounou. Y'a un boss? Y'a un boss? Y'a un boss? Y'a un banc? Y'a un banc pour accompagner le boss? J'ai douté sur la bonté de cette statue en vrai. Y'a un boss ou... En tout cas, ça sent la fin du palais blanc, c'est ce qui est plutôt intéressant. Ouh, c'est tellement l'obscurité. On peut aller là tranquille, tu vas rien me faire. Un bec, j'ai envie de dire. C'est quoi ça? Aucune famille étincelante, seulement une lumière pour briller face à l'obscurité. Le wyrm devient un fanal. Les esprits s'élargissent pour céder, pour dévouer. Il n'y a pas que les esprits qui s'élargissent. L'éternité dans la promesse et responsabilité dans la progéniture maudite. Mais encore. À quoi ça sert? Bon. Bonsoir, excuse-moi de te déranger. On peut discuter? Ouais, on peut. Pas de sacrifice trop grand. Ouais! Oh ah non, c'est bon. Récupérer âme royale. Et on s'en va. À quoi servait le truc à droite? Oui, droite. L'âme du Wyrm, l'arme de la racine, cœur du vide. Est-ce que le fait d'avoir ce badge blanc, maintenant, je peux aller... faire la fin numéro 2? Avant d'activer le truc noir? Ouais, on va faire ça, on va voir. En même temps, le boss n'est pas très compliqué, en soi. On va peut-être pouvoir... faire des choses assez sympathiques. Salut. Alors donc on va à Route Zoumine. Non, nous allons à Dirtmund parce que à Dirtmund nous pouvons juste à la droite et nous avons le cœur de la fin numéro 2. J'espère qu'on va pas devoir se retaper et que la fin numéro 2 sera différente de la fin numéro 1.
Parce que sinon ça veut dire qu'on a quand même loupé quelque chose. Et je veux toujours trouver mes monstres et je veux toujours trouver de quoi avancer, de quoi découvrir ces putains de derniers badges, parce qu'il me manque et j'en ai marre. Il me faudrait deux quarts de cœur, parce que les deux quarts de cœur c'est plutôt sympathique aussi. Enfin voilà quoi, il me manque des choses. Allez, un kamikaze, merci. J'apprécie. Non, sans déconner, j'aime pas quand il manque des choses. En plus, c'est une niche à 91%, c'est-à-dire qu'il me manque 9. Ça me met en PLS. Le temple de l'œuf noir. Oui. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, j'ai pas ça? Mais t'as qu'à me le dire, bordel! Mais non, tu m'as dit de pas avoir le noir pour avoir la fin numéro 2. Tu te fous de moi ou? Et donc la 3, elle se passe quand? Encore après? Oh, mais c'est pas amusant! Pourtant, je t'ai dit que j'allais dans le cœur noir et toi, tu m'as dit. Ouais! On se retape la première fin. Allez! Moi, je comprends plus rien. Si font ça, sera même pas ouvert. Franchement, ça me ferait rire. Ah, la PLS! Ouais, désolé, ouais. Il est minuit 22, je suis encore sur le jeu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le finis? Bon! Donc, nous repartons dans les abysses de mon fion. Voilà. Perso, j'aimerais voir la fin numéro 2. Oui, certes. Moi, j'aimerais voir la fin du jeu tout court. Même si je m'amuse beaucoup, il y a des trucs où tu te dis « Putain, je te rends !» Ok, c'est bon. Et c'est le nom. Quel charme. Eh bien, il faut... Ah, faut le mettre. Putain. Il n'y a pas de bande. 5. Ah mais faut que je remonte. Non mais c'est relou ça. Non mais 5 quoi. En plus c'est... Ah mais s'il faut il y a un autre pouvoir derrière. On a peut-être pas regardé. On va regarder après. On va éviter de râler. De toute façon s'il faut en off eh bien, j'irai chercher tous les monstres. Non. Je vais finir les rushs tout seul. paf. Putain, mais sans déconner, ils auraient pas pu faire un ascenseur. Genre, vous êtes arrivé. Et je retombe. Pas très bas, ok. Où on va? Où on va? Où on va? Non. Putain. Où on va? Où on va? Ça va, c'est pas haut en plus. Puis c'est amusant. Oh merde, ok. On s'amuse beaucoup dans ce genre de phase. Putain, tout ça pour un badge à la con. Bonsoir. Ah mon dieu, la lapine. C'est pas comme si... tu avais 3h30 de retard.
ça va, quoi. On peut dire à ce niveau-là que t'es dans les temps. Le banc est là-bas. Ah, putain. Ah, j'ai même pas la boussole et j'arrive à savoir où je suis. Incroyable. Donc, on est en train d'essayer d'activer la deuxième fin du jeu. Alors, par contre, si je vais dans un banc pour mettre un badge et que je le mets pas, on appelle ça de la connerie. Bon, on va enlever le sang de ruche. Et les épines, ouais. Et on va mettre ce truc. Alors. Qu'est-ce que c'est? Un charme sacré symbolisant une union entre deux êtres supérieurs, le porteur absorbera lentement la 4... Oh! Ah, c'est pas mal, en fait, j'ai de l'âme à l'infini. J'ai fait une énorme soirée sur Dead by Daylight. Je fais pas toutes les fins, j'ai fait la première. On essaye tant bien que mal, grâce au guide du routard mal informé, de faire la seconde. Et on va voir ce que ça donne. Le guide du routard de zut. C'est pas ma faute si tu sais pas donner de bonnes indications. Ok, celle-là. Baf. Ouais. Donc c'est par là. Ah, il y a des crânes partout, c'est intéressant. Oh, il y a des... Il y a des Géraldines. Ouais, c'était un endroit mort. J'aime. Pourquoi j'active mon dash noir? Allez, on fouille, on fouille. Et je fouille, fouille. À la fois fouille. Je sais pas où je vais. Hein. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Merde. Bonsoir. Merde. Oh non, pas ça. Je déteste péter pan, quoi. Ok, cool. Le mec est en train de perdre toute sa vie comme un trimard. Oui. Est-ce que ma... Ah oui, le mana se régène plutôt rapidement. Allez. Où on va? Où on va, j'en sais. Il est où, là, mon guide du routard, hein? Prenez à gauche. Prenez la troisième sortie du rond-point. Très beau reniflage. On appelle ça être enrhumé, et malheureusement, ben, je peux pas me mute à chaque fois que je renifle, parce que c'est un tic, en plus. Renifler, chez moi, c'est devenu un tic. Ou un toc. Non, je sais plus. C'est un truc involontaire, donc tic, je pense. C'est même quand je suis pas enrhumé... Oh putain, oh non! Le retour du frère maléfique du cul du fion. Attends, est-ce qu'il faut se foutre en l'air, genre, ya? Ok, d'accord, j'ai eu peur là. Je me suis chié dessus! Aucun sacrifice n'est trop grand. Ça fait peur, hein, sans déconner. Oui, alors? Ah. 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 Ouais, ben, je suis où, là? Ah, je suis en dessous, là. Je vais arriver, genre. Bonjour! C'est trop nul. Attends, mais j'ai loupé des trucs, alors. Il n'y a pas que ça. Merde. Faut que j'y retourne. On est où, là? Oh, mais on y voit que peau de zob. Oh, y a des pics. Mais on y voit peau de zob. Ah, la musique. Aucun esprit pour penser. J'imagine qu'il faut monter. Aucune volonté à briser. Du pâté pour le goûter. Aucune voix pour crier souffrance.
né de Dieu et du vide. What the fuck? Bonsoir, tu veux bien m'aider à remonter? Non. Non! Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce flashback? Je ne comprends pas. Vous saluerez la lumière aveuglante qui tourmente leurs rêves. Vous êtes le vaisseau. Vous êtes Hollow Knight. Tintin. D'accord. Ah. Cœur du vide. Succès déverrouillé, vide. Ok. Why not? Ah, on revient là. C'est déjà pas mal. Moi, je vais pouvoir récupérer mes trucs. Donc, c'est quoi le cœur du vide du cul? Un charme dont un vide a été caché à l'intérieur, mais qui est maintenant relâché. Soumet le vide à la volonté du porteur. Ce charme fait partie de son porteur et ne peut pas être retiré. Oh! Mais je veux remettre les autres! Donc maintenant, je suis vide à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur? Garde-le équipé. Ben, j'ai pas trop le choix. Il vient de dire que je pouvais pas le retirer. Ah! Putain, j'ai eu peur. J'ai peur de rien, j'ai peur de rien. Bon, on cherche quoi, on a dit? Là, il y a des trucs cachés. Merde. Qu'est-ce qu'il y a des trucs cachés? Est-ce que c'est mieux de prendre la 70 pour arriver là où on veut? Là, on est déjà allé là. Ok, donc c'est pas là. Alors, vide à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur quand on est sur moi. Paf! Alors, où c'est qu'on a loupé des trucs? Là-bas? Oui! Merde. La classe en toutes circonstances. De qui? Oh, putain! Ouais! Œuf arcanique. Waouh, génial. Et sans déconner, je suis content d'avoir un œuf arcanique. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous en êtes où dans les larves aux merdes? On a fini. Mais ça, tu l'aurais su si t'étais arrivé plus tôt. Est-ce qu'il y avait juste l'œuf arcanique ou il y a autre chose? Monsieur le routard. Bison futé, pas très futé. Je pouvais pas, j'étais très occupé. Oui, tu t'es fait sauter, quoi. Hashtag no filter. Faut que tu retournes au temple noir, du coup. Quel temple noir? Ah! Pour la fin! C'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ornette sera là. Ouh! Ornette! On aime bien Ornette, c'est notre petite copine. T'es une petite copine? Tiens, prends des patates. Non, c'est pas par là. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Faux! Je me suis pas fait sauter en plus. Tu dois taper le mec alors qu'il est attaché apparemment. D'accord. Non, genre comme des gros lâches, quoi. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Où je viens? Ça tourne en BDSM. Alors oui, bah, si t'étais là pour la première fin, tu aurais su, au lieu de dire des conneries avec tes remarques désobligeantes. Le mec, pas du tout salé. Mais genre, pas du tout. La 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 la... Ok, on s'en va. Ensuite... Il y avait vraiment que l'œuf arcanique parce que tu m'as pas répondu. Mais c'est pas grave, j'apprécie quand même le guide du routard. Y a rien d'autre normalement. Bon.
façon, le Far Cry 5 console tamponne le cul. Alors, carte mise à jour, on est content, on est heureux d'avoir une carte mise à jour. On prend quoi? Putain, c'est quoi mon set d'habitude? Les épines? L'arvomère de 2, de ça? Ah, et on a un truc à 3. Ah merde, non, c'est ça qu'on prend d'habitude. On monte en chante. Le chandelier, on s'en fout. Et on va prendre le miel. Parce que c'est toujours efficace. Ok. Allez, maintenant on remonte. Putain, j'en peux plus. Oh non! Comment tomber dans le trou où il ne faut pas tomber? Papalapa. Non, c'est pas là-bas. Hop là. Oui. Oui. Ah oui, j'aurais pu me TP, mais regarde, j'arrive au métro ici. Voilà. J'ai pas pensé que j'aurais pu me TP. Ça aurait été un peu plus rapide, je te l'accorde. Hop. Birtmout. Genre, tu veux pas te TP sinon, genre le mec. Allô? On me parle meilleur déjà? Alors, le banc déjà. Parce que là, on va activer la deuxième fin du jeu. S'il faut, enfin, il est plus fort. Je ne veux pas savoir. Je veux avoir la surprise du boss quand même. Enfin, le premier, on sait à quoi il ressemble, mais s'il faut, là, il sera encore plus fort. Alors, allons dans le cœur noir. Oh, c'est l'urnette! La voie est ouverte d'une façon ou d'une autre, une ferrata à l'intérieur. Je ne me joindrai pas à toi. Cet endroit a été édifié pour les êtres comme toi. Si je te suivais à l'intérieur, je serais entièrement consumé. Ne sois pas surpris, je ne risquerai pas ma vie pour toi, bien que pour le moment présent, je t'aide autant que possible. Ah, tu m'as aidé depuis les fois où tu m'as cassé la gueule littéralement? Alors, aurais-tu l'agréable idée de te téléportationner afin de gagner du temps dans ta randonnée pédestre et obscure? Non. Allez, on y va. C'est parti! Hollow Knight 2. Le retour. La vengeance de Marie-Joëlle. Marie-Joëlle. Il est plus enchaîné. Ce boss craint du cul, il est nul, il est nul. J'espère vraiment que quand on débloquera... Merde. Le vrai boss, bah, il fera quelque chose. Parce que là, on se fait vraiment un tantinet chier, quoi. Hein, t'es nul. Ah, bah oui, t'es nul. Mais oui. Mais oui, t'es nul. Ah, ça y est, commence à se réveiller. Oui, elle t'a sauvé la vie dans le pays du sel. Oui, oui, oui. C'est juste que j'étais dans la carapace abandonnée. Et qu'il y a plus que les crustacés qui me sont tombés sur la gueule. Mais t'es nul, boss de merde! Ah, ça y est, il se suicide. Pour une raison qui nous... Bah écoute, suicide-toi, moi je vais récupérer ma vie. Hein. Ça te va? Allez. On sait pas pourquoi il se suicide. Ça c'est vraiment problématique. Et la musique, elle est trop grave. C'est ça qui me fait chier. Mais... Ah, putain. Ça, c'est vraiment l'attaque de la merde. Oui, tombe-moi dessus, je te dirai rien. Suicide-toi un peu, s'il te plaît. J'ai besoin de vie. Quoi? Ornette, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as dit que t'allais être consumé. Ok. Mais pourquoi Ornette, elle a fait ça? Elle est complètement malade. Elle l'a dit elle-même qu'elle allait être consumée. Oh putain, ça sent le boss relou deuxième forme. Il y a un joli coucher de soleil. C'est vraiment ma... Oh, défié. Je défie le soleil. Ah non, d'accord, c'était... C'est autre chose. Donc ça, c'est le boss de fin ultime. Oh merde, il a une sacrée tête. Bonsoir. Radiant,
Radiance. Si on sait pas qui s'appelle Radiance, sans déconner. Allez, c'est parti. Oh, la musique est cool. Alors, il faut lui toucher quoi? Ok, les plumes, là. Ah, ça, c'est pas cool. Ah, j'ai fait de la merde. Ça s'arrête? Pas. Ça s'arrête pas, donc j'imagine qu'il faut... tâcher au travers. Bon, on a vu ce que ça donnait. Au moins, on a vu... Oh non! Elle est où, Géraldine? Elle est là. Oh, je l'ai one-shot. Bitch. Ok, je comprends plus rien au jeu, c'est la fin numéro 3. Tu te fous de ma gueule, sans déconner. Enfin, c'est pas grave. Bon, mais la vraie fin du jeu est là, hein. Merci d'avoir participé. Tape le boss au max, même en présence de Hornet. Ah, d'accord. Fallait pas faire le... l'aiguillon des rêves, en fait. Bah, je sais pas, j'ai vu un truc dépasser en mode essence des rêves, et je me suis dit, bah, go, quoi. Bon, ok. Donc, Radiant, c'est le vrai boss du jeu. Allez, il se suicide. Près de la bataille, Hornet se penchera et facture... Ah, je veux pas savoir. On verra tout seul. On va attendre gentiment le déluge de caca, là. Ouais, enfin, en fait... Ok, on aurait dû. On peut se heal? Non, tu veux pas. Putain, j'ai oublié qu'il faisait ça. Ah, ça c'est chiant. Elle va arriver là, non? Ouais. Oui, bah ta gueule. Non, Hornet! Réveille-toi, Hornet. La musique est trop grave, ça m'énerve. Ok, c'est bon. Et maintenant? Mais il y a encore quelqu'un qui est tombé pour nous, ça m'énerve. Allez, on absorbe le mal, tout ça, tout ça. Ça, on l'a déjà fait dans la fin numéro 1 que vous avez tous vu parce que vous êtes tous venus à l'heure. Le mec est gris. Bon. Ah, frère et sœur scellés. Au succès déverrouillé. Oui, donc Hornet, elle est juste à côté, mais c'est la même fin, j'imagine. C'est juste qu'il y a Hornet en mode « Coucou, je gis par terre !» Si gis Hornet. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il y a encore quelqu'un qui s'est suicidé pour nos beaux yeux, quoi. Bon, on est de retour. Je suis désolé, j'ai fait bouger le câble Ethernet. Voilà. Bon, alors pour ce que vous n'avez pas vu, ouais, non, mais on a tout, enfin, vous avez tous tout raté. Alors, en gros, je vais faire. Ben, nique ta race, voilà. T'avais qu'à être là à l'heure, t'aurais vu la première fin, c'est la même. En fait, la 2, c'est la même que la 1. Sauf que. Sauf qu'il y a Hornet qui gît par terre et que... Alors en gros, je vais t'expliquer la fin numéro 1 parce que bon... On absorbe tout le boss en fait. On aspire tout le mal, je pense, qui est là, chez Hollow Knight, tout ça. Et...
et en fait, on prend sa place. Tout simplement, c'est plus lui le réceptacle du mal, c'est toi. Voilà. Sauf que, avec Ornette, le fait qu'elle s'est sacrifiée tout ça, ça fait que ça devient une gardienne. Tu sais, il y avait trois visages sur la porte pour ouvrir le cœur noir, là où on est. Et en fait, Ornette, elle devient une gardienne, je pense. Son esprit devient gardienne. C'est tout ce qui s'est passé. Et voilà. Donc là, on va aller taper Radiance. Enfin, du moins, on va essayer, quoi. D'accord. Merci, je l'ai fait. Ce boss est vraiment nul, sans déconner, quoi. Je prends des coups gratuits, mais il est d'une nullité affligeante. Ah, merde. Comment ça se fait qu'il soit nul à chier comme ça? Merde. Merde! Voilà, c'est maintenant qu'il se suicide. Allez, prends des coups gratuits. Tiens. C'est pas grave. Tiens. Vas-y, continue, hein, moi ça me va. Ornette, elle va venir te casser la gueule. Et... ah, j'aime pas cette phrase. Merde. C'est bon, c'est maintenant? Ouais. Et paf! Ah, là, là. Allez, c'est parti pour l'ultime boss du jeu à la con. Ouais. Putain, par contre, se farcir Hollow Knight pour aller chercher Radiance... pas cool, ça, les devs, hein. Vous avez chié dans la colle. Oh, nouvelle attaque. D'accord, donc c'était bien ça, fallait passer au milieu. Encore une nouvelle attaque qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Merde! Ah, il y a des pics. Ah! Ouais, il faut absolument qu'on ait le dash noir. Putain de... on peut pas aller le toucher. Et pour ce soin, on fait comment? On fait pas? Ouais, voilà, on fait pas. Ok. Bon, j'étais surpris par ces nouvelles attaques. Ouais, on va se retaper Hollow Knight MDR. C'est drôle, hein? Oui, c'est drôle. Et on va voir s'il pète ou pas. S'il pète, bah il pète. S'il pète pas, bah c'est pas grave. En plus, Hollow Knight risque d'être encore plus anecdotique avec ça. Pour l'explication, c'est si je meurs... en fait, c'est un badge que... si je meurs, bah le badge se casse. Et c'est un badge qui fait des énormes dégâts. Ok, merci la lapine. Bisous. Ah, ça y est. Mais là, pendant qu'il est en train de se martyriser tout seul, mais les dégâts que je lui mets, c'est abusé. Merde. Donc il va péter un plomb tout seul, non? Ah oui, c'est vrai, j'ai plus les épines. Ça me fait bizarre. J'ai joué tout le jeu avec les épines. Voilà. Est-ce que j'ai tous mes points de vie quand j'arrive sur Radiance ou pas du tout? Ça serait bien de savoir, parce que là, si je pars avec deux PV en moins, c'est un peu la PLS. Non, c'est bon, je récupère. Ok. C'est quoi ça? Oh oui. Il
Il change complètement de pattern. Hein. Y a rien de vraiment bien écrit. Ah, le salaud. Oh, enculé. Non, mais ça fait ultra mal. Hein. Enfin, en fait, c'est tous ces dégâts me mettent trop cher. Ah non, ça c'est pas cool. Enculé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Quoi? Non! Ça, c'est très très moche. Et il y avait écrit charme brisé, j'ai pas rêvé. Ah putain. Bon, on va le réparer. Parce que sans déconner, je l'ai bien martyrisé. Donc si je peux continuer comme ça... Attends, c'est où qu'il est le gars? Je sais où il est. Salut! Ouais, il a 1700 PV, il en a pas des masses, quoi. Genre le gros con de Zort. Je sais plus. Il en avait moins que ça. Ah, j'ai pas ma boussole par contre. Je risque d'en chier pour le trouver. Il est où? Ah putain, il est là-bas. Oh, il est vachement loin. Faut que j'aille par les routes oubliées. Ah, quel con. C'est pas grave. Vaut mieux faire ça et... De toute façon, je vais remettre mon TP ailleurs dans ce cas-là. Je vais le mettre là où il est et basta. Route oubliée. Parce que ici, j'en ai plus besoin. Allez, moi aussi, Gigo, j'ai elle pour Radiance et je lookerai la fin sur le replay. Ok, pas de soucis. Ouais, aujourd'hui, on dépasse parce que, bah, quitte à finir le jeu, autant le faire maintenant, quoi. Enfin, je pense. C'est peut-être le mieux. Merde, on est où là? Bonne nuit, Dracan. Bonne nuit, Dracan. On est où? Ah, putain, mais oui. Ouais, je crois savoir où on est. D'accord, bonsoir à toi aussi. On va en profiter pour aller voir la vieille. Vu qu'on est à côté. Merde. Alors, c'est où? Ouais, c'est ça, faut aller tout en bas. On va aller voir la grosse. Hop, petit banc. Pour voir en cas, on sait jamais, parce qu'on a eu plein de badges depuis. Bonsoir. Ah non, il m'en manque 4. Ah, donc le badge blanc et noir comptait en un seul badge. Où c'est que je vais aller maintenant? Je remonte et je vais... Caverne nocive? Oui, c'est ça. Faut que je remonte et que j'aille jusqu'aux cavernes nocives. Le chemin va pas être amusant. Mais c'est pas grave, comme ça au moins je pose mon TP et ça sera plus simple, je pense. Parce que j'ai failli le tuer en fait, on a juste fait un double KO de merde. Enfin, après, est-ce que c'était fini ou est-ce que... La grosse question, quoi. Donc là, on est au gros ascenseur. Oh putain, je me suis trompé. Fallait remonter. Fuck. Il fallait remonter. Dès que je pouvais. Ah, je me suis planté, c'est là. Ah là, c'est là. Ah oui, c'est vraiment là. On se rappelle de bonnes ambiances. Hein. Là, par contre, je crois que je vais trop loin. Merde, il va péter.
Je sais plus si je vais trop loin ou pas. Bah non, non, pas du tout en fait. C'est par là. Merde. Oh là là. Se faire martyriser par les premiers monstres du jeu. Check. Est-ce que c'est par là? Putain, lui il me saoule. C'est pas par là? Si. Voilà, c'est là. C'est pas par là? Putain, monsieur, où? Ne dis pas que ça a créé un éboulement et que je peux plus passer par là, parce que sinon ça va pas me plaire. Ah non, c'est peut-être juste là, derrière. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Voilà. Donc on arrive là. Et il est juste en bas. Et on passe à droite, et voilà. De toute façon, on a tellement de géo que... on peut le faire tranquille. Alors, on pose notre point de TP ici. Voilà. On lui dit bonjour. Je veux racheter celui-là. Il te fait ouais, bravo. Tu sauvegardes. Et maintenant, on repart dans l'autre sens. Bah, j'ai pas trop le choix, mais s'il y avait eu un métro pas loin, enfin, peut-être que c'est plus sympa de passer par la station de l'arène. Parce qu'il faut se taper tout le tour pour le reste, alors que là, j'ai juste à aller... Alors attends, parce qu'il faut que je fasse quand même gaffe où je vais. Ok. C'est plutôt droit, ici. Et j'ai pas remis mon badge, exprès, on sait jamais. Ok, donc là, on passe, on trépasse. Au revoir. Ensuite, on passe là. On vient d'atteindre ici, on vient de tomber, donc faut aller en bas. Ok, c'est là-bas. Ah, petit doute. Si, c'est là. Ça, c'est la vieille. Ah, non, c'est pas la vieille, c'est l'autre qui veut nous bouffer. Elle est pas morte, bizarrement. On a tué beaucoup de gens, sauf elle. Bon. Pof, petit banc. Dirtmout. C'est un peu long, mais j'ai failli le tuer, Radiance. Hein. On a juste fait un double KO, c'est dommage. C'est dommage. Allez, on se dépêche un peu. Si on peut finir le jeu là, ça serait plutôt cool en vrai. Mais ça m'empêchera pas d'aller chercher mes 100% ailleurs. Salut Ornette. Alors, faut que je me mette au banc quand même pour pouvoir mettre mon badge complètement cheaté. Mais c'est vraiment dommage qu'il casse, hein, parce que sans déconner, on en a tellement besoin. Allez, c'est parti. En espérant que... Je regarde ce try après Dodo. Très bien. Bah, j'espère que ça sera le final, parce que bah... Merde. Ah oui, c'est vrai qu'il touche derrière lui. Vas-y, suicide-toi. Ah non. Ah non, on se suicide. Ça. Est-ce qu'il est obligé de faire une ou deux phases même s'il a plus de vie? C'est une grosse question ça. Merde. Pff.
Allez, on se concentre, parce que l'autre, il va nous péter la gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai que 8 cœurs, j'en aurais 9 en fait, il m'en resterait 1 s'il me martyrise. Putain, ce que je lui mets, quoi. Il prend trop cher. Ok, je l'ai presque perfect. Hein. C'est la fin, j'espère. Hein. Ah, est-ce que maintenant... Ouais, faut que je monte et que je les absorbe. C'est ça. Ah non. Il y a une deuxième phase. Putain. Oh là là, non, non, là ça va. Je suis tombé, putain. Mais je pensais que c'était la fin, sans déconner, quoi. Ok, je peux pas le faire ici. Je me sens trahi. Je me sens vraiment trahi. Ah, je pensais pas que... Bah, pff, techniquement, j'aurais dû m'y attendre qu'il y ait une deuxième... Qu'il y ait une deuxième phase, mais bon, c'est pas... Ouais, ça semblait trop simple, c'est vrai. Je suis encore fait avoir par le jeu, c'est pas grave. En soi, c'est pas très grave. Bon, après, je pense pas qu'il y ait trois phases aussi. Bon, tu vas me dire, je sais pas, c'est un boss de fin ultime. Je me pose pas de questions, j'essaie de faire gaffe. Et j'y suis allé, mais vraiment trop comme un bourrin, en fait. C'est, j'ai vu mes points de vie tomber, mais genre à une vitesse accablante. Et j'ai failli perfect la première version, hein, c'est plutôt pas mal. En même temps, il avait un pattern assez facile. Faut dire aussi ce qu'il en est. Ah, mais Sodo. Bon, c'est pas grave. Merde. Après, maintenant, enfin, j'ai trouvé le truc, le badge, il est complètement cassé. Hein. Bref, dans tous les sens du terme. Ah, ce badge, il est niqué de la tête. Il est complètement abusif, abusé, ce que tu veux, quoi. Et apparemment, il va y avoir un DLC sur ce jeu qui est sorti en mars, avril peut-être. Ils ont mis du temps, je trouve, pour mettre un DLC. Après, ils avaient peut-être pas compté le succès du jeu. Je sais pas. Enfin, moi, ça me va. Hein. Allez, le boss anecdotique. Ça fait de la peine quand même. Merde, j'aurais dû continuer à taper. Je suis sous toi, tout va bien. Déjà ? Merde, j'aurais dû me coller à lui. C'est vrai que j'avais plus le dash non. C'est quand même moche un boss qui se suicide, hein.
C'est... Si tu dis merde quand même... Merde. Je peux mourir? Non. Ok. J'ai eu peur! Allô, Mora! Bon, allez! Si déjà je lui mets 5 pets alors qu'il vient d'arriver, le pauvre, je le respecte même pas, quoi. Saloperie. Oh putain! Arrête avec tes boules à la con là! Non mais c'est pas possible, arrête! C'est les seuls trucs que je peux pas forcément. Je vais aller le chercher lui. Allez! Vite, 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 vite. Ok, cool. Bon, j'ai juste un point de vie à regagner. Et à faire un peu plus attention à moi. Et j'ai pas eu droit aux épées sur le côté encore, c'est plutôt cool. Pas mal de chance là-dessus. Merde. Ouf. Fait juste que j'ouvre ma gueule. Et je tombe! Parce que je suis nul à chier sur ces épées. Putain, alors elle, je pouvais pas forcément l'esquiver. Ah, mais putain, mais c'est... Quoi? Mais... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, faut monter. Il y a des âmes derrière qui montent avec moi. Est-ce qu'on va se libérer du joug de notre... je sais pas. J'aimerais bien gagner ma vie. Non. Ok. C'est un point de vie que je vais regagner. Oh. Yes. Fini. Fini. C'est qui ça? C'est l'esprit d'Hollow Knight. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui ouvre la tête! Kamehameha? Ou pas Kamehameha? Ah, c'est à moi à taper. Oui. Oui, et en fait, les ténèbres ont gagné sur la lumière, c'est ça que vous voulez dire, ou je comprends pas? Je ne comprendrai pas. Fin des rêves, succès déverrouillé. Ah. Hornet! C'est vrai qu'elle était juste à côté du truc qui a explosé, mais... Dis-moi qu'elle va bouger, elle est pas morte pour rien. Ça serait con. Ah. Oh non, on est mort! Et on est là, dans les abysses.
putain, je suis en bas de... Et c'est tout? Genre, on a libéré le monde de la lumière, et voilà? Eh ben... Bah c'était bien, hein. Je suis... Ben on sait toujours pas en fait si on était vraiment les méchants et qu'on a bouffé la lumière et qu'on est heureux ou si la lumière c'était eux les méchants quoi. En tout cas la menace a été éradiquée grâce à notre grâce à nous. Bon. Ben je pense que c'est sur ces crédits que nous allons vous laisser. Je pense que tu incarnais les gentils, mais que tu as dû passer par l'ombre pour rétablir la paix. Ouais, ouais, il y a peut-être une histoire comme ça. Hein. Y a peut-être une histoire comme ça. Bon, ben on va laisser les crédits jusqu'à la fin. On vous remercie de nous avoir suivis sur Hollow Knight. C'était intéressant. C'était frustrant, mais très amusant. Semaine prochaine, Titan Souls ou Never Alone, tu choisis quoi? Titan Souls, parce que Never Alone, ça me dit rien. Ça risque de me gonfler plus qu'autre chose. Donc ouais, peut-être Titan Souls. En plus, j'y ai déjà joué, donc ça risque d'être peut-être moins frustrant. On verra. Je peux pas dire. On verra. Bon, on aura fini le jeu à 94, 92. Je sais pas. On va voir. Je terminais à 92 pour 27h30. Bon. Voilà, voilà, je vous remercie encore. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Et en attendant, eh bien, des bisous, portez-vous bien, tout ça, tout ça. Allez, ciao, ciao tout le monde!